Bonjour, je m'appelle Grégoire Dénigé, je suis avocat pour l'Association professionnelle des cadres de premier niveau d'Hydro-Québec. Je suis impliqué au comité de recherche et de législation, le CRL, depuis septembre 2017. Bon, depuis cet été, je suis co-rédacteur en chef avec un autre collègue du CRL. Et dans le fond, notre but, notre rôle en tant que rédacteur en chef, c'est de réviser les articles et s'assurer qu'ils respectent les lignes directrices du Jeune Barreau de Montréal pour la publication en ligne sur le blog. Également, mon rôle au sein du comité en tant que simple membre, c'est de résumer des décisions de jurisprudence et de les publier sur le blog en ligne. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et évidemment, de participer aussi aux diverses réunions du comité et parfois à des projets spéciaux, comme j'en parlais précédemment, de commenter des projets de loi. Ça a été une activité très intéressante qu'on a faite au cours de la dernière année et nos commentaires ont été entérinés par le conseil d'administration du Jeune Barreau de Montréal. Pour moi, ça n'a pas rapport au comité dont je fais partie, le CRL, ça a plutôt rapport à la clinique juridique. Deux fois par année, le Jeune Barreau de Montréal fait une clinique juridique téléphonique où on donne des conseils juridiques à des justiciables qui appellent au Jeune Barreau de Montréal et je trouve que c'est une superbe manière de redonner à la communauté. Ça nous permet de donner de l'information juridique à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un avocat ou qui tout simplement ont besoin d'un simple conseil juridique de façon ponctuelle. Donc ça nous permet de discuter avec eux, de discuter de leur cas brièvement et ensuite de leur fournir l'information juridique. Si l'information juridique qu'il faut qu'on leur donne, c'est de les référer à quelqu'un qui va pouvoir en charge leur dossier de façon plus détaillée, bien, ce sera ça notre rôle, mais au moins il y aura quelqu'un qui aura pu leur dire à ces justiciables-là. Oui, évidemment, je fais d'autres choses à part qu'être avocat, à part qu'être impliqué au Jeune Barreau de Montréal. Je suis, depuis mes tout jeunes années d'adolescence, je suis guitariste. Donc, je participe en ce moment à plusieurs groupes de musique, dont un hommage à Linkin Park qui s'appelle Project Revolution. Donc, on fait plusieurs spectacles. C'est ma passion à l'extérieur du travail que de jouer de la musique, que de faire des spectacles. C'est mon dada.